Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. C'était pas du tout prévu que je vlog aujourd'hui, mais au final j'ai plein de choses à faire, donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener dans cette journée ou ces journées qui arrivent là. Nous sommes dans le bureau, je suis en train de transformer, etc. Peut-être que vous aurez déjà vu les vlogs, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc aujourd'hui je dois faire pas mal de choses, je vais faire ma petite to-do list là parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je sais pas si je vais arriver à tout faire aujourd'hui, je ne pense pas, je pense sincèrement pas. On va essayer d'être productif aujourd'hui. Donc ce matin je me suis levée à 7h30, je suis allée garder l'enfant de mes voisins pendant quelques heures. Donc là je reviens de chez eux, il est 11h50. Donc voilà, j'ai toute l'après-midi pour faire mes petits trucs. Je suis bloquée en fait chez moi parce que j'ai un colis qui doit arriver. J'espère sincèrement qu'il va arriver chez moi et qu'il va pas rester à la poste parce que c'est chiant. Dans tous les cas, il faut que je donne mon téléphone à mon papa. Donc ça faudra que je l'amène à la poste. Donc bref, je vais faire ma petite to-do list et on se retrouve juste après. Bon voilà, je l'ai fini, donc je dois trier mes papiers. Ça va prendre beaucoup de temps. Il faut que j'aille à Ikea pour chercher une bougie pour ma belle-mère parce que il en faut une. Action, il faut que j'aille acheter deux porte-documents. Je dois faire les courses à grand frère pour acheter quand même des fruits et des légumes. Aller à Lidl pour le restant. Envoyer le colis à mon père. Aller aux encombrants. Monter le meuble d'action. Publier la vidéo et faire la miniature de la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de tout faire. Mais déjà, on va essayer de trier les papiers. Ça va être assez long je pense. J'ai énormément de boutons, j'ai mis du produit, j'ai mis de la crème et tout dessus, c'est pour ça que vous voyez des petites taches, mais j'ai énormément de boutons suite à un énorme stress que j'ai eu. En fait, dès que je stresse, bah, j'ai beaucoup de boutons. Et en fait avant je comprenais pas pourquoi j'avais autant de boutons dans certaines périodes, mais en fait c'est dès que je stresse, c'est un truc de fou. J'ai tous les boutons qui arrivent, c'est une catastrophe, ça me démange, c'est vraiment horrible. Donc là je suis en train d'essayer de déstresser, même si j'ai... En plus c'est de la merde, hein. C'est vraiment des stress de merde. Hein. Petit exemple, vraiment c'est de la merde. Hein. Je stressais à l'idée de ne pas trouver mon ancien téléphone et d'être sans téléphone pendant un mois et demi. Après bon je sais que voilà c'est pas la mort hein, de ne plus être sans téléphone, mais ça m'a stressé le fait de me dire putain il est où mon téléphone. Je sais pas si vous avez su sur Instagram, mais en gros je vais vendre mon téléphone à mon père parce que celui-ci en a besoin parce que le sien est mort, donc au lieu d'en racheter un, moi je devais en changer un, donc en gros on s'est fait un petit micmac et il prend le mien maintenant. Non mais vraiment je suis une bouffonne hein. Alors imaginez pendant les examens, c'est une catastrophe. J'en ai partout, j'en ai dans le dos, sur les bras et tout, et là ça s'est vachement calmé au niveau de mon dos, j'ai que les traces maintenant, mais j'ai plus trop de boutons. En fait ça ne démange plus trop au niveau du dos. Donc ça au moins c'est une bonne chose, mais le visage hein, c'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. Donc j'essaye d'être un petit peu déstressée, donc désolée de cette face, mais en même temps c'est la vie, hein, c'est comme ça, on est comme on est. Donc on va trier les papiers, c'est parti. Je sens que ça va être drôle. Donc j'ai tout ça à trier, c'est parti. Donc je fais ça là-dedans, c'est un porte-document que j'ai acheté à Action, qui est plutôt pas mal je trouve. Je mets ça là-dedans. Et il y avait des petites étiquettes, ça c'est trop bien pour mettre... pour mettre ce qu'on veut, donc il y a les ABC, etc, les jours, les mois, mais vous avez aussi des étiquettes vierges, donc ça c'est plutôt pas mal, je mettrais impôts, tout le bordel. Ouais. Du coup je vais même pas vous montrer en accéléré parce que sinon vous allez voir les trucs sur les papiers, les adresses et tout. Du coup je vous montre les résultats plutôt parce que sinon c'est un peu trop galère à flouter. Je me dis parfois mais pourquoi c'est pas tout digitalisé, je comprends pas, genre tous mes relevés de compte. Bah ils pourraient me les envoyer en PDF ou je pourrais les retrouver en PDF, pourquoi me les envoyer à chaque fois chez moi? Ça, je comprends pas, j'en ai strictement rien à foutre, je sais de combien j'ai sur mon compte, mais les relevés de compte, genre j'ai que ça et j'ai des trucs qui datent depuis des années, depuis au moins 6 ans, mais au bout d'un moment, je sais pas, faut les brûler les trucs. Moi je me dis qu'il faut vraiment envoyer des courriers que si c'est nécessaire, mais là il y a aucune nécessité, hein, je suis désolée. Perte de temps, la perte de papier, la perte d'énergie, j'ai des courriers que j'ai même pas ouverts, regardez. J'en ai strictement rien à foutre parce que je sais que c'est mes relevés de compte, mais j'en ai strictement rien à faire. J'ai des trucs qui datent depuis août 2017. Je pense qu'il serait temps de faire un tri vraiment plus important. J'ai demandé à ma sœur, on peut jeter nos relevés de compte parce que bah, c'est déjà en ligne sur notre, enfin sur l'application, donc je vois pas pourquoi ils nous les envoient. Je vais demander à ma banque d'arrêter de me les envoyer, mais je crois que c'est une obligation de ce qu'ils m'avaient dit. Donc bref, j'ai plein de papiers, je pense que je vais les jeter. Je vais pas les garder, ça sert strictement à rien. C'est comme les trucs de ma sécu, les remboursements, je sais que j'étais remboursée frérot, je le vois quand même, je suis pas... Oh ouais, 2015, mon dieu. J'ai retrouvé mon livret scolaire quand j'étais en CM2, regardez j'avais fait un dessin de ma classe, non mais je chiale, c'est trop... CM2B, c'était mes appréciations. Bon trimestre, Elisa est une élève sérieuse, attentive et appliquée, moteur pour la classe.
bad bitch. Deuxième trimestre, de bons résultats encore ce trimestre-là. Elsa continue à travailler de façon sérieuse et régulière, c'est bien, très bien. Très bon trimestre pour le troisième. Elsa termine l'année en beauté, toutefois, elle doit arrêter de se sous-estimer. Admise en sixième. J'avais que des A. Enfin, des 1 plutôt. Maîtrise des calculs. 1, 1, 1, 1, 1. Lecture oralisée. J'avais 2 parce que je savais pas très bien. Je savais pas très bien lire à cause de ma dyslexie. J'avais que des 1. Mais comment je faisais pour être une aussi bonne élève? Regardez des 1 de partout. Comportement 1 partout. Ça, c'est un truc à garder, ça. Ah, j'en peux plus, je trouve des belles choses. J'ai même retrouvé ma carte électorale que j'avais perdue. Parce que du coup, moi j'allais voter, mais qu'avec ma carte d'identité, donc je pouvais pas me faire tamponner. Regardez, j'ai retrouvé sa miette. Il y a vraiment trop de choses dans ce petit trieur là. Regardez, c'est moi quand j'étais en train de toucher un dauphin. Je suis là. Je suis pas trop mimes. Avec ma soeur à côté. J'étais trop contente, je suis en mode waouh, c'est trop bien et tout. J'ai même retrouvé l'échographie de ma mère. Je te jure, je trouve des choses de fou, c'est un truc de malade, vraiment. C'est rigolo. Ah, le trajet pour aller chez mon père, je l'avais noté sur une feuille. Non mais je chiale. Et ça, c'est quoi? Photo mariage. Ah ouais, putain. Non mais moi, je retrouve des choses qui datent. Je retrouve même des contraventions pour vous dire. Et du coup, ma soeur, elle m'a dit de pas mettre ça à la poubelle comme ça. Il faut le mettre dans une déchiqueteuse. Mais je n'en ai pas. Du coup, on ira faire un beau feu de camp avec mon père quand j'irai le voir le week-end du 20. Donc je laisse ça de côté, je vais mettre dans un sac exprès. Bon, au final, j'ai pas grand-chose à mettre dans ma pochette. Je suis contente. Eh ben, c'est génial ce petit calepin là. Bon, après, ça attire un peu les poils. Mais voilà ce que ça donne. J'ai tout classé. J'ai mis banque, assurance, truffaut, facture, impôt, important. Tout ce qui est important, c'était ma carte électorale, etc. Et les souvenirs que je vous ai montrés. C'est vachement bien. Je suis très contente de cet achat, j'hésite même à en prendre un pour YouTube. Parce que YouTube, je mets tout dans des pochettes, mais c'est vrai qu'un petit trieur comme ça, ça serait plutôt pas mal. Et c'est vachement bien, je suis très contente. Une chose de faite, on va pouvoir hop, cocher la case. En fait, je peux pas trop partir de chez moi parce que j'ai pas le colis. Il doit arriver entre 12 et 16 heures. Du coup, là, ce que je vais faire, déjà, je vais mettre les papiers que je dois jeter dans un sac exprès. Je vais aller m'occuper de ma vidéo que je dois publier aujourd'hui. Bon, je viens de publier ma vidéo, j'ai fait la miniature, etc. Donc ça, c'est fait. J'étais en train de regarder Hercule Poirot. C'est l'un des derniers épisodes, je crois que c'est Hercule Poirot qui quitte la scène. Et j'ai enfin reçu mes colis. Il vient de passer le monsieur. Donc c'est des colis My Muesli, m'ont envoyé leur nouveauté, donc on va regarder ça ensemble. Au moins c'est cool, on va pouvoir aller faire les courses et pouvoir bouger un petit peu de la maison parce que j'étais bloquée à cause de mes colis. Non, par contre ça a abusé ça. Je suis désolée mais je suis pas très d'accord. Ils mettent un grand carton pour un tout petit truc. Je suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord quand même. C'est pas comme si ça pouvait pas rentrer dans celui-là. On renvoyait mon petit muesli. Ça, je suis contente parce que j'arrête pas d'en manger. Du coup, bah, j'en ai quasiment plus. Donc si vous savez pas, j'ai fait une co-création avec My Muesli. Aussi, je vous mettrai le lien. Enfin, le lien est en barre d'infos avec le code promo. Si je crois que des 10 euros d'achat, vous avez les 6 mini muesli d'été. Mais ça va bientôt être en rupture de stock. Donc il y aura un nouveau code promo, peut-être quand je publierai la vidéo, il y aura le fameux code promo. Je vous mettrai tout en barre d'infos, n'hésitez pas à la regarder, mais c'est plutôt intéressant, c'est avec des bowls, etc. Franchement c'est plutôt pas mal, de ce qu'ils m'ont parlé dans le mail, ça avait l'air plutôt bien. Donc là je pense pas les avoir reçus, la nouvelle collection Back to School, mais en tout cas je suis contente, j'ai reçu mon petit muesli. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Du nut butter, je sais pas quoi. Du beurre de cacahuète, voilà. Je cherchais le mot. Et c'est dans des petits pots comme ça. Ils sont trop mignons, mais je savais pas qu'ils faisaient ça. Ça que j'aime bien, c'est qu'on découvre vraiment plein de choses à chaque fois dans les colis. Il y a plein de nouveautés. Donc j'ai du nut butter. Je pense que ça doit être au cacao. Peanut shock. Donc là, c'est du peanut butter. Donc c'est cacahuète. Trop bien, j'en mange jamais, j'en ai jamais vraiment goûté. Là, c'est au chocolat. De ce que je vois. Donc ça se présente comme ça. Et l'autre, c'est à l'amande et à la coco. Alors là, vraiment trop hâte de tester ces petits produits-là. Je connaissais vraiment pas du tout. Et j'ai reçu des bowls raspberry coconut. Ça, j'aime beaucoup les bowls comme ça. En fait, c'est des espèces de barres protéinées en forme de boule. Donc c'est plutôt pas mal comme concept. Et le packaging, encore une fois, très joli. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup à My Muesli. Et le code promo sont en barre d'infos. Et encore des petits cartons. J'en peux plus des cartons. Et je vous ai pas montré ce que j'ai acheté hier à la foire fouille. J'ai acheté ça. C'est un kit de beer pong, mais lumineux. C'était à 17 euros de base et je l'ai eu à 4,50 euros. Donc je suis trop contente, mon chacha.
Ils m'ont fait des câlins, ce con. Mon amour. Il y a bleu et rouge, donc ça, je suis trop contente. Je le voulais trop. Et j'ai acheté ça pour mon père. C'est un filet pour faire du volleyball. Il y avait vraiment pas mal de choses à la Farfou. C'était à moins 30%. Et je l'ai eu à 13 euros au lieu de 20. Donc, je suis plutôt ravie. J'espère que ça va bien fonctionner parce que... Ah, il y a aussi une balle. Ça, c'est bien. Donc, j'amènerai chez mon père pour pouvoir faire du volley. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai enlevé mes ongles. Ça faisait genre un an et demi que j'avais mon gel sur les ongles. Et comme en fait mes ongles avaient vraiment poussé, c'était mes vrais ongles en dessous, bah ça faisait plus très joli quand je faisais mes ongles. Ça faisait très crochu. Du coup, je les ai enlevés. Et je vais les refaire, je pense, à la fin, genre pour la rentrée. Donc voilà pour les deux petits achats. Donc on va aller faire les courses. Je vais aller à Grand Frais et à Lidl. Et je vous montre ça dès que j'en... Je vais peut-être passer à Ikea et Action avant, poster mon colis. Je vais essayer de tout faire d'un coup en voiture, comme ça je vais pas trop perdre de temps. Je vais mettre mon téléphone dans le colis, je vais aller à la poste en même temps, comme ça tout sera fait, je vais pas trop perdre de temps. À Action, Ikea, ensuite je vais à la poste, ensuite je vais à Grand Frais et Lidl. On va faire ça. J'espère qu'il fait pas trop chaud dehors. Je vais y aller comme ça, je pense. J'ai une tenue, t'as peur. J'ai un haut qui vient de chez Primark, je crois. Ça vient de chez New Yorker, c'est un short. Je pense que je vais rester comme ça, hein, parce que vraiment flemme de me changer. Je vais pas me maquiller parce que... aussi flemme, hein. Puis de toute façon... je ressemble à un cachalot, c'est pas grave. Mais regardez comment je suis bronzée. C'est fou, non? J'aime trop. Voilà, je suis trop contente. Bon, il est actuellement 15h40. J'ai craqué, en fait j'ai pété un câble, j'en avais marre. Parce que... j'essayais de déconnecter mon compte Google, etc. Et j'y arrivais pas et ça me saoulait. Donc normalement là, voilà, j'ai tout réinitialisé. Enfin, j'ai réinitialisé le téléphone en entier comme ça. Bah, il pourra se connecter. Il n'y a pas mes identifiants, il n'y a pas tout ce bordel là. Donc ça c'est cool. Et je lui ai demandé de regarder son téléphone pour qu'il valide parce que je suis en train de le connecter sur ses comptes là. Mais il n'est pas sur son téléphone, du coup c'est chiant, je peux pas le faire avec lui et ça m'énerve. Donc je passe trop de temps là-dessus, là je perds beaucoup de temps. Donc je pense qu'il va être un grand garçon, il va savoir le faire. Là je vais nettoyer l'écran, je vais nettoyer tout et je vais remettre ça dans sa petite boîte d'origine et je vais l'envoyer dans... Mais pourquoi les gens ils jouent en dessous de chez moi, ils cassent les couilles, c'est fou là, allez dans un parc, je sais pas. Donc je nettoie son écran, mais bon, franchement mon téléphone il a pas bougé. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'on s'entend plus dans ce bar. Oh! On arrête de gueuler s'il vous plaît, merci! Ah putain, il me casse les couilles. Je suis en train d'utiliser mon ancien téléphone, c'est tellement lent, mon dieu. Je me souviens pourquoi j'ai changé de téléphone, c'est parce que la batterie elle tenait plus du tout. Et là, bah, elle tient vraiment pas. Donc là, je lui ai reconfiguré normalement. Je lui enlève tous les trucs à la con qui servent à rien. Ah, il y a les notes. Bah, je vais lui dire ce qu'il faut qu'il fasse comme application. Oh putain, ça vibre. C'est horrible ça. Application. Je vais lui enlever ça parce qu'il va pas savoir. Donc bref, je fais tout ça. Je range tout ce bordel. Je le mets dans la boîte. Bon voilà, mon colis est fait. J'ai aussi fini de publier ma vidéo, donc elle va sortir tout à l'heure. Donc là, je vais aller à... Ah, je crois que j'oublie ma carte bancaire. Je vais aller avec mon téléphone qui n'a déjà plus de batterie. À Ikea, Action, Ikea, je vais me prendre peut-être un truc à manger parce que j'ai super faim. Vous n'êtes pas droit, mais bon, est-ce que vous avez l'habitude? Oui. Et ensuite, je vais faire des courses. Je suis dégoûtée parce que je viens de voir qu'on est mercredi et mercredi, il y a tous les gosses. J'espère qu'ils seront pas en train de faire des courses. Parce que là, je peux plus, là. Les gosses, j'en peux plus. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça dès que je rentre. A few moments later. Bon, il est 18h44. J'ai tout fini, j'ai plus de batterie sur mon portable. Je crois que j'avais genre 10% après dans la voiture. Et dès que j'ai voulu envoyer un message à mes voisins en mode est-ce qu'il vous faut quelque chose à grand frais, et ben plus de batterie. Du coup voilà, c'est génial. Donc j'ai fait les courses. Donc voilà comment je fais mes courses, je mets ça dans des bacs et après je prends ça avec le diable. J'ai vraiment galéré parce que dans le dernier bac il y a des boissons et c'est tellement lourd et il a un peu souffert mon diable, déjà qu'il souffre beaucoup avec les étendeurs là. Donc je vide tout ça et je vous montre. Alors à Lidl j'ai pris de la compote de pommes poire, j'ai pris deux fois des Kinder Country, c'était le deuxième à moins 60. J'ai pris du Caprice des Dieux, du saucisson, des yaourts comme ça j'en ai pris deux. J'ai repris ma salade œuf mimolette la base, des nectarines. Des tortillas de blé, une pizza chèvre, enfin, des petits yaourts, deux fois ça aussi, les yaourts au chocolat, les mini mozzarella qui sont vraiment trop bonnes. J'ai pris du nectar d'abricot, ensuite j'ai repris des bananes, j'ai pris des pamplemousses, j'ai pris à grand frais des fruits de la passion, c'était 3 euros
les 7. Donc franchement, je trouve que c'était pas si cher que ça. J'ai pris des avocats, des citrons verts, du chèvre. J'ai repris ça, j'adore, c'est un mélange de fruits rouges, ils sont vraiment super bons. J'ai repris de la grenade. J'en achète jamais comme ça, c'est la première fois, donc à tester. J'ai pris l'ananas frais. D'habitude, il est découpé, il n'y en avait plus. Donc bah, j'ai pris non découpé, ça sera la même chose. J'ai pris ça, des Mister Drop au chocolat, à voir si c'est bon. Ça, c'est des petits yaourts qui sont faits par des éleveurs français. Donc c'est la ferme des Peupliers, si ça vous intéresse, à la vanille. J'ai voulu tester, c'était 1,49€ les deux, donc franchement ça va, c'est pas trop cher pour des yaourts. Et c'est français, donc voilà, je suis contente. J'ai pris des dés de fromage à fines herbes, j'ai me surpris des roses, j'ai pris des yaourts à boire à la vanille, j'ai pris des yaourts mousse chocolat, des yaourts à la cerise, des Kinder Country. J'ai pris aussi des macarons, c'est la première fois que je vais tester les macarons à Lidl. De base, je suis pas très fan hein, de macarons, mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va tester. Des olives vertes pour les apéros, et ça, c'est une nouveauté. J'étais trop contente de trouver ça, c'est des yaourts à boire, et c'est avec ça, et je trouve ça trop génial. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester, c'était pas si cher, je crois que c'était 3€ le gros truc là, donc avec un petit verre et tout, franchement ça peut être plutôt sympa, enfin, j'aime beaucoup le concept, donc il devrait se faire ça plus souvent, c'est plutôt pas mal. Ensuite je me suis pris du Mighty, donc c'était le deuxième à -60%, donc Mighty menthe, Mighty framboise, du coca et bien sûr de la pastèque. Ensuite je me suis pris des abricots et je suis passée à Ikea pour aller acheter une bougie à ma belle-mère. Donc il lui fallait en fait une énorme bougie comme ça. Donc je lui ai pris, ça coûtait 10€, non 11€, ça coûtait assez cher. J'ai trouvé ça et je trouvais ça plutôt bien, c'est une bougie saveur automnale, enfin senteur automnale. Donc il y a plein de bougies qui sont arrivées comme ça chez Ikea, c'était vraiment plutôt pas mal, ce feu de bois il sentait super bon, mais ça coûte quand même 10€, donc j'ai pris ça pour l'automne, j'ai hâte d'être en automne alors qu'on est le 10 août. Donc des trucs Ikea, il y en a partout, et j'ai pris une Phytonia. Je l'ai cassé, dommage. Elle était à 4€, pas si cher que ça. Et ce sublime cache-pot à 2,50€. Il existait aussi en blanc ce cache-pot-là. Voilà pour mon retour de course. J'en ai eu pour 65€ à Lidl et 20€ à Grand Frais. Grand Frais, c'est vraiment un kiff. Hein. C'était pas obligatoire. J'ai pris que des petits fruits là comme ça. Parce que c'est vraiment un kiff. J'adore. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de viande. Donc je trouve que ça a vachement augmenté. Et sachant que j'ai eu -5% hein, sur mon ticket de caisse Lidl. Je trouve que ça a vachement augmenté. Je sais pas si c'est les fruits qui ont augmenté, les légumes, les fromages, je sais pas du tout, mais en tout cas ça a vachement augmenté. Bon, nous sommes quelques jours plus tard. Mon chacha est en train. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure. J'en peux plus. Du coup, j'ai récupéré un Truffaut, des pâtés. C'est la pâté Royal Canin, elle est vraiment pas ouf, mais prends-tu même bien. C'est de la grosse merde, hein. N'achetez surtout pas ce genre de merde. Hein. Achetez une Trivia ou autre, mais pas ce genre de merde. Si vous voulez, c'est comme un McDo. Genre ça. Donc un McDo de temps en temps, mon chacha, je veux bien que tu te goinfres de conneries. Oui! Du coup, les petites nouveautés aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Primark et à Cultura. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolée parce que voilà, il y a deux dehors là, qui est en train de péter un câble. Je vous mets ici, c'est parfait. Alors à Primark, j'ai acheté un petit pull vert comme ceci, un petit polo vraiment basique qui coûtait 7€. Je me suis dit vas-y pourquoi pas, il y avait plusieurs couleurs, c'est un vert un petit peu, vert sapin plutôt. Et vraiment super mignon, donc j'en avais pas, je me suis dit vas-y ça peut toujours dépanner. J'ai repris des chaussettes blanches parce que je n'en ai plus. J'ai repris des culottes. J'ai pris aussi une bougie en forme de bouche, je la trouvais assez mignonne pour le bureau, ça pouvait faire assez joli. Donc j'ai pris ça à 3€. Et je suis trop contente, j'ai trouvé mes chaussures que je mets tout le temps en blanc, je les ai trouvées en noir. Je suis trop contente. Donc c'est celle-ci. C'est avec des lacets et tout. Elles coûtent 18€. Elles sont vraiment très très bien. Je les prends en taille 39. Elles sont vraiment géniales. Et j'ai pris des pinces parce que les miennes elles sont en train de se casser. Donc voilà, j'ai repris ça. C'était 4€. Et ensuite je suis passée à Cultura et je suis trop contente. J'ai découvert la nouvelle collection. Je sais pas si c'est nouvelle, mais en tout cas elle est très très jolie. Ah, on peut en acheter d'autres. Moi j'aime trop les cadeaux. Ils disent on peut avoir des cadeaux. Moi je veux des cadeaux. Bref, c'est des livres en fait. Oh la vache, il est beau. C'est un livre de Jules Verne comme ceci, j'adore, ce sera trop beau, c'est avec cette matière là, je suis trop fan, c'est un livre en fait basique hein, avec des petites images et tout, et j'ai pris 1000 lieues sous les mers, donc c'est un basique hein, de Jules Verne, et j'en ai vu un autre et qui est trop beau aussi, c'est celui-ci, c'est le tour du monde en 80 jours, celui-ci est très connu aussi, hein, voilà. Et du coup j'ai pris les deux, c'était 12€ le livre,
Je vais pas dire que c'est cher ou pas cher, parce que c'est les prix pour ce genre de livre assez joli, je trouve, avec une belle matière, une belle qualité. Donc ça va être dans le bureau, je suis trop contente, il est vraiment magnifique, vraiment très très beau. J'ai pas vu l'intérieur, mais ouais, c'est un livre basique quoi, mais j'aime beaucoup. Je le lirai pas parce que je connais déjà l'histoire par cœur. Moi je suis ravie pour la bibliothèque, ça peut faire assez joli. Donc voilà, j'ai pris ça et c'est tout. Sinon là j'ai eu un petit breakdown entre guillemets. J'ai eu mon entretien à Truffaut et en gros j'étais vraiment hyper triste, hyper déçue, hyper en colère aussi parce que voilà, on baisse une nouvelle fois ma prime en raison de mon physique. Et j'en ai un petit peu ras le cul, on me dit que j'ai l'air fatiguée, malade, saoulée, ce genre de choses qui ne se disent pas. Je trouve pas que ça se fasse parce que c'est comme dire à un handicapé, t'as l'air handicapé, du coup je te baisse ta prime. Et je trouve ça vraiment déplorable, ça m'a vraiment fait du mal, j'en ai vraiment pleuré parce que je trouve pas ça normal de critiquer le physique et d'utiliser ça en justificatif pour baisser une prime. Pourtant mon travail est très bien fait et ça m'a vraiment démotivée et c'est que dans ce Truffaut là que ça me fait ça, les autres Truffauts j'ai jamais eu de problème. Et ça m'a fait vraiment du mal. Plus envie de travailler là-bas, j'ai plus envie. Voilà, ça m'a vraiment saoulé, je vous avoue. C'est la première fois que, déjà l'année dernière, ça m'avait vraiment pris un coup avec ce qui s'était passé. Et là, une nouvelle fois, on retape dans le mille en critiquant mon physique. Non, en vrai, ça m'a blessé de fou. Ça m'a vraiment blessé et du coup, j'ai plus envie de travailler. Je ferai aucun effort parce que peu importe la qualité de ton travail, c'est ton physique qu'on juge. Si c'est comme si on me disait je te baisse ta prime parce que t'es grosse, je te baisse ta prime parce que t'es maigre, je te baisse ta prime parce que tu t'es assis 3 minutes parce que t'avais tes règles et t'es au bout de ta vie, t'as pas à être au bout de ta vie, t'as pas à t'asseoir, tu restes debout, tu travailles. Tu vois, c'est ce genre de choses que j'arrive plus et je vois que l'humain il n'existe plus et je comprends pas en fait ce monde du travail. Moi en tout cas je veux fuir tout ça, vraiment je veux fuir ce genre d'ambiance et d'hypocrisie, c'est qui léchera le plus le cul de quelqu'un. Moi je déteste lécher le cul de quelqu'un, il y a des poils et de la merde, non merci, je veux pas lécher ça. Donc moi je suis pas hypocrite et c'est ça en fait le problème. Quand il y a quelqu'un que j'aime pas qui arrive, bah je vais pas lui sourire à la gueule, je vais pas être une hypocrite et c'est ça le problème. Je suis vraiment déçue et je suis vraiment dans un bad mood à cause de ça. J'ai vraiment pleuré toute la soirée hier soir parce que vraiment les mots qui ont été utilisés ont été vraiment durs pour un humain et pour une femme, et encore plus pour une femme qui est aussi un petit peu malade, on va pas se mentir, j'ai des soucis de santé. Et dire ça et utiliser ça en fait en justificatif de prime, de baisse de prime, bah moi ça m'a fait du mal. J'arrive plus à encaisser, j'arrive plus à dire oui à tout, j'arrive plus à voilà. Maintenant je pense que je vais penser un petit peu à ma personne qui est le plus important de toute façon. Je voulais pas trop plomber l'ambiance mais je trouve ça important d'en parler parce que je trouve ça tellement déplorable en fait. Mais bon, on va dire que le karma fera les choses un jour ou l'autre. Donc bref, j'ai reçu aussi mon colis My Muesli, donc je vais vous le montrer. Je vais mettre les culottes au sale, tout ça au sale, hop hop hop. J'ai fait aussi mes ongles, je sais pas si je vous ai montré, j'ai fait un baby boomer. Alors au début j'ai vraiment galéré parce que j'avais mis d'abord le rose puis ensuite le blanc. Mais j'ai vu que c'était vraiment moche, du coup j'ai mis d'abord le blanc, puis ensuite le rose, et là c'était beaucoup mieux. Du coup j'ai fait cette forme là, je l'ai pas fait au chablon, j'ai fait avec la capsule et la résine. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal pour une première, ça le fait, donc voilà. Un petit baby boomer, ça fait du bien. Alors, pour mon petit envoi presse, j'ai reçu ce bol là et je suis vraiment trop contente. C'est un bol pour mettre du muesli, etc, du yaourt, des fruits, tout ce que vous voulez en fait, un truc pour manger. Et je trouve ça vraiment pratique, attendez, je vous montre. En fait il s'ouvre comme ça sur le dessus. Genre normal, sinon vous pouvez le dévisser ici. Hop, vous pouvez visser. Je trouve ça vraiment trop pratique. Ça aussi, hop, vous pouvez visser. Et en fait, ça s'attache avec ces petits clips, là, comme ça. C'est vraiment super bien. Et du coup, j'ai reçu la cuillère aussi. Donc c'est une cuillère qui est pliable. C'est vraiment pratique, ça, parce que vous pouvez le mettre dans le petit bol. Donc c'est une cuillère, je l'ai pris en rose, moi, parce que j'aime bien le rose. Et hop, ça te fait une cuillère et en gros vous pouvez la mettre dans le petit bol. Donc voilà, je trouve ça super pratique, je trouve ça vraiment ingénieux et je trouve ça d'une très très bonne qualité. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, pour tout achat sur le site, dès 15€ d'achat, vous avez ça offert. Vous pouvez choisir la couleur. Il y a bleu, il y a violet je crois, enfin il y a plusieurs couleurs. Principado. Du coup, dès 15€ d'achat, vous avez le droit à ça. Il y a mon lien et mon code promo. Donc mon code promo, c'est PandaPiSchool. De toute façon, tout en barre d'infos. Et c'est dès 15€, vous pouvez avoir ça offert. Donc vous pouvez acheter mon muesli. J'en ai créé un avec My Muesli, comme vous le savez.
c'est un muesli comme ça avec du chocolat, etc. Enfin, je pense que ça vous a vraiment plu ce muesli là, donc je suis super contente. Et donc dès 15€ d'achat, vous pouvez avoir ça offert et je trouve ça super bien. Ce genre de choses, c'est dans les 10€, 15€ parfois, donc c'est assez cher et là c'est assez gratuit. Donc je suis trop contente et donc j'ai reçu aussi d'autres muesli. J'ai reçu celui-ci qui est un de mes préférés, c'est le basique, hein, c'est le Super Choc de My Muesli qui est vraiment très très bon. Il y a 3 types de chocolat. C'est vraiment le basique, 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 chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Et j'ai reçu aussi le Raspberry Dark Choc, donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a de la framboise. Donc voilà. Et ils m'ont envoyé, et ça c'est vraiment bien, ça je peux vous le conseiller parce que tout le monde aime, enfin tout le monde kiffe. C'est des petites nut butter balls, c'est vraiment comme ça. Et en gros à l'intérieur c'est 3 sachets comme ça là, avec des petites boules, il y en a 3 à l'intérieur. Je vous les conseille, ils sont vraiment très très bien, ils sont très 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 protéinés. Donc ça je peux vous les conseiller, j'ai fait goûter à tous mes potes, ils ont tous kiffé. Bon, je suis actuellement dans le bureau et j'ai vu que j'avais pas terminé cette vidéo là. Je voulais un peu plus la continuer mais si je vous upload pas la vidéo aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.